En quelques siècles, nous avons perdu 60% des forêts. En quelques décennies, nous avons perdu 60% des mammifères sauvages. Et en quelques années, nous avons perdu 60% des insectes. Ce n'est pas une peur de l'avenir qui doit nous effrayer, c'est un bilan de ce qui est à l'œuvre. Si on allait vivre sur Mars à moins 140 degrés pour y reconstruire en moins bien ce qu'on avait déjà et qu'on n'a pas été foutu de préserver. J'explore, j'exploite, j'explose, je m'extrais. On fait ça, l'air de rien, et on recommence ailleurs. Pourtant, je sens bien. Quelque chose ne va pas. Franchement, j'en sais rien. Motivée, désespérée aussi un peu. Quelque part entre les deux, quoi. Mais ça file de l'espoir, hein. De rejoindre ce genre de mouvement. C'est l'insoutenable légèreté des différents politiques dans les décisions qu'ils prennent. C'est insoutenable en fait. Et le fait de passer à l'action rend les choses soutenables. Le fait de passer à l'action rend la vie soutenable. Mais si tu savais comment j'ai le feu! L'action transcende la peur et l'inquiétude que génère le dérèglement climatique. Donc c'est important d'avoir un endroit, une base, un groupe de personnes qui ressentent la même chose et qui sont déjà dans l'après. Et ça fait du bien. We could be free.